Au Moyen Âge, la cité de Liège est une théocratie rattachée à l'Empire germanique, c'est-à-dire allemand. Alors une théocratie, c'est quand un peuple ou un lieu sont dirigés par des religieux, le plus souvent élus. À Liège, ce Big Boss était un évêque, qui était aussi le chef de l'armée et de la police. Enfin, on ne disait pas police, on disait prévôté. Aussi parle-t-on de prince-évêque. La cité comptait 26 églises, dont 7 collégiales, ce qui était énorme. Le territoire de Liège, ici en rouge, était bien plus grand que les limites de la cité. Il allait de Bouillon, dans le Luxembourg, à Tongres-en-Campine. Au total, la principauté comptait 23 cités. Par conséquent, le prince-évêque était un personnage important de l'Empire germanique. L'âge d'or de ce territoire furent les 11e et 12e siècles. Il y avait à Liège des écoles célèbres et d'importants ateliers d'artistes. C'est à Nudger, un Allemand, évêque de l'an 1000, que Liège doit son importance politique. Nudger construisit un mur d'enceinte, aujourd'hui disparu, et reçut de l'empereur allemand Otton le droit de constituer un état autonome, placé sous l'autorité directe de l'empereur. Il n'est donc pas le premier évêque, mais le premier prince-évêque. Ce changement se produisit en l'an 980, il y a plus de 1000 ans. Millénaire fêté en grande pompe en 1980 par tous les Liégeois. Mais c'est de l'évêque Lambert que Liège est véritablement la fille, car c'est l'assassinat de cet évêque qui la fera sortir de terre, littéralement. Lambert était évêque de Maastricht et un jour de l'an 705, il entra en conflit avec un des personnages les plus importants de l'époque, Pépin de Werstal, maire du palais et père du futur Charles Martel. Un important personnage parce qu'alors, Pépin était le chef des armées et du gouvernement mérovingien. Ce qui ne l'empêchait pas de vivre publiquement, non pas avec son épouse légitime, mais avec sa maîtresse. On voit ici Lambert venu le sermonner devant tous les siens.
Pépin prend très mal cet affront et un de ses lieutenants, Dodon, décide d'assassiner l'évêque. Lambert se reposait dans sa petite maison de campagne lorsqu'il fut attaqué et tué. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Tuer un prêtre au Moyen-Âge était déjà un crime très grave, mais pour le prêtre, son martyr lui ouvrait les portes du paradis tout en lui assurant une immense célébrité. Là où Lambert fut enterré, une petite chapelle fut construite et bientôt des miracles se produisirent. Des foules de fidèles accoururent de tous les coins du pays franc et la chapelle se transforma en basilique puis en cathédrale. Voici une reconstitution en 3D de cette immense église. Aujourd'hui, cette cathédrale n'existe plus, détruite par la Révolution. Mais elle fut longtemps une des plus grandes églises d'Europe. La
La flèche de son clocher culminait à 135 mètres, arrivant à hauteur de l'actuelle citadelle. Un important pèlerinage se développa autour du tombeau du martyr. Faisant de Liège non plus un village insignifiant, entouré de marécages, mais une cité de pierre, grandissant sans cesse et autour d'églises toujours plus nombreuses.